Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve à Targassonne pour une belle petite escapade autour de ce beau village. On va prendre le GRP de Sardaigne, balisage rouge et jaune, et accéder à ce panneau en direction des Gâtes. On va aller jusqu'à la Croix de la Soulane, qu'on a vu aussi dans un autre reportage, les Gâtes et le Puig del Moros, et on va revenir par Targassonne, par la piste qui monte jusqu'au pic del Moros. Bref, une belle petite boucle de 7,5 km environ, 400 mètres de dénivelé et 3 heures de marche. C'est parti, on attaque. Allez, donc là on a abandonné le GRP de Sardaigne. Au niveau, quand vous êtes dans le village des Gâtes, il y a une intersection, vous prenez à gauche le Camí Ramader. Continuez toujours tout droit et vous arrivez ici même à ce panneau où voilà, il faudra prendre à gauche le chemin en direction de la Croix de la Soulane et du plateau de la Calme. Donc voilà, une fois qu'on est arrivé à la Croix de la Soulane et ce super panorama qu'on avait vu dans le reportage Egat et le Puig del Moros, au virage où vous avez la Croix des Gâtes, vous le prenez et vous longez le sentier qui est marqué. Attention, c'est pas balisé. Vous longez, vous longez, vous longez, vous arrivez à ce passage canadien et attention, endroit stratégique, on va prendre à gauche le petit sentier qui monte, toujours pas balisé, mais on va accéder au plateau de la Calme et à la piste forestière qui nous redescendra à Targassonne. Donc voilà, on arrive à cet espace immense domanial de la Calme. Alors, il faut savoir que cette petite portion que je vous incite à prendre, comme elle n'est pas balisée, ceux qui ont des problèmes d'orientation, fiez-vous à la clôture. Voilà, la clôture, elle vous emmène ici même. Vous avez même une fontaine et un dolmen juste à proximité de la piste qu'on va prendre pour redescendre sur Targassonne. Et voilà, c'est ainsi que cette superbe boucle se termine. Alors voilà, à partir du moment où on a récupéré la piste pour descendre sur Targassonne, vous en avez allé pour une petite demi-heure pour descendre jusqu'à votre véhicule garé au niveau de la mairie. Moi, je vous dis à très très vite sur d'autres sentiers pédestres dans notre magnifique département. Bye bye.